Quelle histoire. Quelle histoire, quelle histoire, messieurs, dames. Eh oui, une belle maison, hein. Une belle habitation, effectivement, qui sont fait les Lumas. Ils sont heureux, hein, les Lumas, maintenant. Merci, Vzerm, pour le prime. Bienvenue. Merci beaucoup. Par contre, j'imagine pas, effectivement, la taille des allocations avec tous ces enfants. Effectivement, je pense que Harmony bénéficie de nombreuses aides, hein, je pense. Parce qu'il y en a beaucoup, quand même. Il y en a vraiment beaucoup. Les appels. Ouais, non, mais là, c'est pas qu'une histoire d'appel. Là, c'est... Elle a pas rencontré Pension Man, et pourtant, elle profite de tout ça. Hein. Il sablonne, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Sable mouvant sans fin. Une cafe entière s'occupe d'elle. C'est exactement ça. Mmh. Oui. Sure. Bien sûr. Oui. Faut tester, hein. Oula. Ok, aïe. Ok. Bon, faut tester, j'ai tout tué, quoi. Le test était pas... Ah. Voilà. Ah, c'est une arène. Attends, quoi? Ah, merde. Comment tu sais? Ça fait rien. Elle est bourrée ou quoi? Et là, là, là. Fracasse le crâne, moi. Tu veux pas m'aider toi? Elle fait quoi ta pote en fait? Personne ne comprend. Hein. Salut? Oh quoi? J'ai même pas eu le temps de la toucher! Non mais attends, mais qu'est-ce que vous foutez là? Quoi? T'es bourré ou quoi? Mais... Aïe, oh bah. Ah d'accord. Mais non, mais du coup il y a ce bruit infâme, il faut une pièce vite. Il faut une pièce très très vite là. Quelque chose. Ah, merci Nintendo. Ils avaient tout prévu. Ils sont trop forts. Là écoutez, on va. Ah, ah, je me fais écraser par des boules. Ok. On va essayer de se mettre sur une position où on a tous les trucs. Voilà. 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 Nickel. Comme ça, on se prend une petite vie tranquille. Oh oui, l'orbite est magnifique! D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire une. Ah non, là, ça va là. Là, là. Là, là. Là, là. Là. Oh, magnifique. Allez, on y va. On continue. Quoi? Attends, venez, je le fais pas. J'ai rien fait, j'ai fait exprès. Parce que du coup, je t'ai vu, toi, derrière. Je t'ai vu, toi. Je t'ai vu, toi. Tu crois quoi? Bah ouais. Hey, blablabla, t'aurais pas des fragments d'étoiles? J'ai une furieuse envie de fragments d'étoiles. Je veux en manger plein. Let's go. Dis-moi combien t'en veux, je t'offre ça. 20? Mais bien sûr. Vas-y. Donc ça, j'imagine que c'est une étoile cachée, c'est ça? Je pense que ça va être une étoile cachée, un truc comme ça. Ce game design est parfait, oui. Une nouvelle planète est née. Let's go. Just go, en fait. On va rentrer dans une double pyramide. Rammsteiner, merci pour le 8e mois. Merci beaucoup. Ah bah.
Quoi? Tu veux me montrer un chemin? Ah non, tu me suis, pardon. Ah! Ah, j'étais pas prêt? Ok. D'accord. Okay. Ah! Ok, la perspective est... C'est inattendu. C'est inattendu, tout à fait. Faut tous les sauver, mais... Ok, ça va reprendre, c'est ça? Ah, dans l'autre sens, ok, dans l'autre sens. J'en ai 3. Combien il en faut? Bah 5, hein, j'imagine. Merci Mel, pour ton 19e mois. Petit coucou rapide avant de reprendre les cours en visio, bon courage. Putain, les cours en visio, ça doit être dur de rester concentré. Hein. Ça doit être vraiment dur de rester concentré. Hein. Déjà, quand t'es en réu, en visio, bah en vrai, on va dire que Twitter est à côté, quoi. Concrètement, hein. Ou Twitch d'ailleurs, ou Twitch. C'est relou, bah ouais, j'imagine. En vrai, bon courage. Hein. Parce que aller trouver la concentration. Oh là! Oh là! Oh là! La peur. Surtout avec ton live en fond. Aïe. I'm sorry. Tes streams aussi ne sont jamais loin des cours. Aïe aïe aïe. Écoutez, tant que je... J'allais dire tant que je vous... distrais pas trop, mais en... Ah ! Là. En fait, évidemment, je vous distrais, bien sûr. C'est le principe d'un live, en fait. Heureusement, même, j'ai envie de dire. C'est dur pour les profs aussi. Mais grave, Dream Steam, tu sais, je pensais à ça aussi. Hein. Pour les profs, ça doit être horrible aussi. Hein. Aller capter l'attention des élèves alors que... Bah alors qu'on est tous en visio, enfin c'est un enfer, hein. C'est un enfer. J'aurais bien aimé vivre ça par curiosité. Quand même. Moi je te mute quand je suis en réu et basta. Ouais mais c'est pas forcément simple à faire je pense. Hein. De se dire vas-y mute, je sais pas. Non, t'aurais pas aimé. Ah non, mais je pense que j'aurais pas du tout aimé les cours en visio ou quoi, mais juste par curiosité en fait. Mais parce que moi je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que même des trucs qui sont pas forcément stylés ou quoi, j'aime bien tester juste pour, je sais pas, pour dire que je l'ai vécu et pour l'avoir vécu quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme aller voir un film en sachant qu'il est considéré comme un mauvais film, mais juste pour pouvoir dire de par toi-même que c'est effectivement un mauvais film parce que tu l'as vu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi j'aime bien ça. C'est d'ailleurs pour ça que je suis jamais déçu d'aller voir un film ou une série ou un machin et de pas spécialement avoir aimé. Parce qu'au final, c'est comme ça qu'on step up. Faire son propre avis en somme, exactement. Exactement. Dis-toi que j'ai des cours de cuisine en distanciel. Ouais, ça c'est un délire, j'avoue, ça c'est un délire, effectivement. Attends, mais c'était une étoile de Luigi? Vert, ça veut dire que c'est Luigi ou vert, ça veut juste dire que c'est mystère? Mystère, ok. En ramenant toutes les super étoiles vertes, tu as réactivé le portail des épreuves. Bah il est vénère, Soluma. Ok, 3 trucs, ok. Vas-y, dis-moi en plus. Qu'y a-t-il de l'autre côté du portail des épreuves? C'est vrai ça. On y va. Dark Luma, il est stylé hein, Dark Luma. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du... Attends, mais c'est ça? Je peux voir la map. Ah, j'ai raté un message en avant. Merde. Je suis en full télétravail depuis le premier confinement et je bosse H24 avec Twitch en fond et j'ai jamais été aussi productif. Productif. Ah ouais? Bah, on voit trop bien.
Ça, pour le coup, honnêtement, tant mieux. Hein. Je pense que ça dépend tellement des gens. Same, pareil, pareil. Ah ouais ? Incroyable, trop bien. Tant mieux pour vous. Hein. Oui, tu souhaites voir la carte. Voilà, 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 voilà. Peut-être éviter de le faire parler trop souvent, celui-là. Du coup, c'est bien là, hein. Terrasse, tac, tac, boum, 1, 2, 3. Mais il y a ça aussi. Tunnel poisonneux. Ah, mais ça, je l'ai fait. Ok, d'accord. Donc ça, c'est quand j'ai donné à manger à des lumas qui avaient faim. C'est passé ça. Et donc là, il y a trois nouvelles choses. Je sais pas ce que c'est. On va aller voir ça. Yes! C'est vrai que la dernière fois, on était tombé, il s'était passé ça. C'est quoi ça? Bonjour. Veux-tu aller dans cette galaxie? Épreuve de la boule? Oh, bah go! Merci individu pour le 19e mois, merci beaucoup. Yes. Je suis retourné chez mes parents pendant le confinement parce que j'ai full cours à distance et j'ai dû retourner à mon lieu d'études à 150 km juste pour une heure de contrôle de maths ce soir à 18h, j'ai envie d'aller. Ah! À l'enfer. Juste pour une heure. La haine. Bon courage. L'épreuve des boules, messieurs, dames. Épreuve des boules. Épreuve de la boule. Roule, roule. Boule étoilée. Yes. Let's go. Épreuve de la boule, roule, roule, boule étoilée. Oula, ça me rappelle un truc. Pouti pouti pou. Poudipi 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 de pépé. Poudipi 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 pépé pépé. Poudip. Ok, alors. Zeno, merci beaucoup. Merci Zeno. La boule française. Et je suis le grand panneau d'affichage, mais on s'est pas déjà vu quelque part? Enfin bon. Ici, on ne peut avancer qu'en montant sur la boule étoilée. Monte dessus. Oui, je sais. I know. Ne te gêne pas pour écrabouiller ceux qui se mettent sur ta route. Allez, go. Non, pas panneau. Pourip. Je crois que je vais pas pouvoir parler pendant quelques temps là. Dodge. Ah, me fais pas sauter, me fais pas sauter, me fais pas panique. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non. J'ai pas assez de vitesse. Attendez. On va se mettre ici. Là. Et là, on y va. Ok. On va refaire pareil, mais avec le petit saut au moment du jump. Pas mal. Et est-ce que je peux faire pareil juste de là? Ah non. Allez. Là, je suis droit. Qu'est-ce qu'il me fait ? Dégage, dégage, dégage. Me fais pas sauter. Me fais pas sauter. Ça me fait paniquer. Je m'en fous des fragments d'étoiles. Oh, quoique la villa m'est bien quand même. Oh, ok. Ok, y'a une panique, y'a une panique.
Ok, laissez-moi me reprendre. Ok, c'est bon. Putain, je m'en suis jamais autant foutu des fragments d'étoiles, quoi. Attendez, je me fais bully, là. Ah, au moment où j'y vais... On va attendre. On y va maintenant. Ah, il m'a poussé. Ok, enfin, il m'a poussé. Ok. Doucement. Merci. Doucement. Il y a des bombes. Oh non. Wow. Oh, merci. Merci pour le jump. Ok. Ok, il y a un peu de pression là. On repart. Ok, on se restabilise. Ah ! Ok ! Ok ! Ouah, j'ai ressenti une pression. Merci Loulotte pour le prime, merci beaucoup. Oh, j'ai eu tellement peur. Mais elle est où cette étoile là aussi? Je suis crispé. Je suis tellement crispé. Oh, à la Wiimote, imagine. Ah ouais, parce qu'il faut savoir que c'est plus facile sur la Switch que sur la Wii, vu que la détection de mouvement a forcément progressé en 13 ans. Donc c'était chaud quand même, hein. Merci Zarnes pour le prime, merci beaucoup, bienvenue. Sur la Wii ça devait être horrible, ouais. Ouais. On y retourne, on va refaire une épreuve je pense. Donc ça c'est fait. Ça c'est quoi? Merci Charlotte pour le resub. Veux-tu aller dans cette galaxie épreuve de la bulle? Attendez, ça ressemble beaucoup. Bulle. Ah oui, bulle, oui. Go. Artivald, merci pour le 4e mois. Merci beaucoup. Ok, allons sur la bulle. J'avoue, à la Wiimote, j'avais 10 ans. Bah non, mais j'avoue qu'à la Wiimote, ça doit être beaucoup plus dur quand même. Effectivement. Enfin, je me suis lancé, je me suis abonné, Pompon. Bah, c'est gentil, merci Loulotte. Merci beaucoup. La bulle. Alors. La bulle, ça, c'est un petit kiff, ça. Ah ouais, d'accord. Hey, c'est moi, panneau d'affichage. Ici, sans bulle, tu ne peux aller nulle part. Alors, j'espère que tu as retenu comment on la manœuvre. Et les rails électriques sont assez dangereux, bien sûr. Surtout, ne les touche pas. Oui, bah, quand même. Bon allez, on commence par là, ok? On va dans la bulle. Ok. Moi j'aime bien ça en vrai, c'est... Je trouve ça pas reposant, hein, faut pas déconner parce que ça fait monter un peu la presse, mais c'est assez agréable je trouve. Petite phase de réflexion. Non mais c'est normal. C'est normal de réfléchir aux choses, à la vie, tout ça quoi. Normal. Petite phase de réflexion. Allez go. L'OST magnifique, absolument magnifique, messieurs, dames.
On va chercher ça. Hein. Ah, peut-être qu'on n'aurait pas dû. La main tremblante. En vrai, je tremble pas tant que ça, je... Ok. La flèche, bien sûr. Nickel, nickel. La douceur. Merci, Loaninou, pour le troisième mois. Merci beaucoup. Est-ce que tu comptes faire Mario Galaxy après ? Deux. Oui, je vais faire le 2 après, et après je vais faire Odyssey aussi. Il y a pas mal de Let's Play Mario qui vont continuer à arriver après 64, après... J'aurais dû passer. Après Sunshine... J'aurais dû passer. On aurait eu beaucoup de Mario cette année au final. J'ai fait beaucoup de Let's Play cette année. Ah non, j'aurais dû. Le 2 est pas sur Switch. Non, le 2 est sur Wii. Et j'ai la Wii U. Donc c'est bon. Non, je me fais bait ou pas là, juste. Non, non, non. On reprend tout ça, boum, on est bien. Pluie de mots qui fête son deuxième mois. Merci pour ta bonne humeur, Pompon. Bah, merci pour le soutien. Merci beaucoup. On enchaîne. Je repense, il a une Wii U. Ouais, j'ai acheté une Wii U il y a genre 3-4 mois, un truc comme ça. On a fait Wind Waker dessus la dernière fois, c'était très cool. Est-ce que c'est obligé? Ouais, c'est obligé. Attendez, on va faire le truc classique, vous savez. Ah, j'en ai raté plein. Est-ce grave? Je ne crois pas. Ça va, on s'en sort bien, on s'en sort pas mal. Oh non! Oh, je pensais pas la toucher. Ah, pardon. Ah, je suis deg. Ah non, je suis deg. Il faut tout que je refasse là ? J'avais pas l'im... Oh non. Sérieux ? Ah oui, faut recommencer du début, ok. Bon, vous savez quoi ? On va... Celui-là était... C'est... Ouais, on va refaire. Dans le même sens, ok. C'est pas grave. C'est assez reposant. Ouais, je suis d'accord, c'est assez chill. Mais, putain, je suis deck, j'avais pas l'impression que la bulle touchait. Je m'en veux. Enfin, je m'en veux. Je vais m'en remettre, je pense. Je vais m'en remettre, je sais pas. Faudra voir. La délicatesse. Plus rien à foutre des pièces apparemment. Apparemment il y en a plus rien à foutre des pièces l'autre. Boum. Zéro checkpoint, c'est pas sympa. Ouais, c'est vrai que zéro checkpoint, ça fait un peu mal. Imagine-toi dans la bulle à la place de Mario. T'imagines l'enfer. T'es dans une bulle comme ça qui se déplace au-dessus du vide, c'est nickel. On tente. Ouah, j'ai dû souffler fort pour arrêter là. Et là on y retourne directement. Go! Attention à la vitesse tout de même. On va se mettre là, prendre tout ça. Boum. Ça va. En speedrun, ça doit être tellement stressant, ça. Les speedrunners, ils... Vraiment, ils m'étonneront toujours. Voilà. Voilà. Et donc celui-là, c'est celui où on est tombé tout à l'heure. Il est énorme ce niveau. Il est très cool, très très cool.
faut que je fasse attention du coup parce que c'est... Peut-être que c'est un bait et que c'est pas du tout le meilleur chemin qui m'est proposé là, hein. Je sais pas trop. Je sais pas, c'est super bizarre. Où est l'étoile pour partir? Là. Ah. Et enfin la dernière. Et enfin la dernière qui, à mon avis, sera pas forcément la plus simple. Ah, mais c'est pas électrique, ça tue pas ma bulle, ça. Non. Putain, j'ai quand même tenté pour checker, quoi. J'ai quand même tenté. Ça me ramène là, très bien. Enfin, ça... La dernière MDR... Attendez, me dites pas qu'on va enchaîner, là. Ah oui, non, d'accord, il y a le parcours final, c'est ça. Oh. Ah oui, d'accord. Merci, Kerjox. Je me souviens archi pas du niveau, c'est dans le 1. Ouais, c'est dans le 1. C'est dans les épreuves. Pas de checkpoint. Oula. Oh, l'enfer, sérieux. On va aller prendre la vie, c'est quoi? Excusez-moi, je suis très focus dans cette game, c'est assez insane là ce qui est en train de se passer en termes de clutch pur. L'autre qui me suit. Stop me suivre. C'est un enfer. Nice. Ah, laissez-moi. Oh. Ah ouais. D'accord. J'ai tracé. Stop the count. J'ai pas pu exprimer mon art du slow run. Ah bah non, là non. 60 étoiles, je pense que c'est la moitié du coup. Je crois qu'il y en a 120, j'imagine. La pression est monstrueuse, hein, vraiment. Merci pour vos GG, c'est gentil. Merci beaucoup. La maniabilité est comment avec la manette Switch? Écoute, je joue avec les Joy-Con et je trouve ça plutôt très propre. C'est plus propre que la Wii sur que la Wiimote, c'est sûr. Je trouve ça assez, assez propre, ouais. Et enfin, la dernière épreuve. Je crois. Veux-tu aller dans cette galaxie d'épreuves de surf? J'y vais. Très bien, c'est parti. Bon, on fait les épreuves là, ça fait plaisir. Obligé de jouer avec les Joy-Con. T'es pas obligé, tu peux jouer avec la manette pro. Tu peux aussi. Vague à l'âme, pas mal. Oh là, Tocho, merci pour ton 9e mois. Oh là, ça sent l'enfer. Bonjour. Et toi, si tu fais du surf? Non, en général, non. Merci Théob pour le 2e mois, merci Slato pour le 10e mois, merci beaucoup. Oh, c'est toi? T'es venu faire du surf sur Ray? Ce circuit est difficile, tu sais. Je veux quand même essayer. Bien sûr. Alors essaie de faire un tour en moins de 3 minutes. Le truc, c'est de toujours garder son sang-froid. Ok. Il faut faire quoi déjà? Comme ça, c'est ça, pareil? Je sais plus. Allez, la vie, on l'oublie. Allez, celle-là aussi. De toute façon, si on veut prendre des bonnes lines pour le world record,
Oula. Ah ouais. Ah oui, c'était... Et c'est... Peut-être dû prendre la vie, en fait. Merci, Wazala, pour ton 16e mois. Merci beaucoup. Et ton message non terminé, bien sûr. Messages non terminés qui font toujours très plaisir au cœur et au corps. Alors, on va les prendre maintenant, les vies. Me déconcentrez pas! Ok. Le jump. Oh merde. Oh, j'ai tenté limite un cut. Hop là. Hop les. Yes. Ok. Très bien. C'est très serré, ces lines sont serrées. Faire gaffe à ce virage. Très serré ce virage. Oh, c'est petit là. À partir de là, faut que je décélère un peu, quoi, ici. Ah, je suis en full vitesse depuis le début. C'est vrai que je sais pas si c'est la meilleure idée sur ce genre de moment. Ah, j'ai raté. Ça tourne quand même. Alors pour tous ceux qui se posent la question, bien évidemment, la raie est consentante. Hein. Évidemment. Bien sûr. Attendez, on va pas faire ça à dos de raie sans même le consentement de... Bah du véhicule, quoi, si je puis dire. Ralentir. Calme. Calme-toi. Calme. Calme. Ok, prends un peu de vitesse. Calme. Prends de la vitesse. Calme. Pourquoi t'es sur le côté en fait? Ok. Mais je sais. Ok. Let's go. Ouais, je sais pas du tout ce qui s'est passé. On est parti tellement loin, tellement haut. J'ai pas du tout mal à mon poignet, ça va. Ok, nickel. Le virage est extrêmement précaire. Oh oui, la... What? Stop, arrêtez de me faire faire ça, vous êtes des malades. Ça va pas la tête. Oh, y a des vagues qui m'amènent, mais vraiment... Ils me soulèvent, quoi. Un petit peu de... Pas trop serré. Vous imaginez que là, je suis un joueur Mario Kart, c'est-à-dire que j'ai un mental, c'est-à-dire que des courses perdues, il y en a eu quoi. Ouais. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais trop perdu de course parce qu'il n'a jamais trop joué au jeu à la course. Nice.
Attention à ce jump là, la réception il est magnifique celui-là. En plus j'ai même pas le temps de respirer entre les postes, ça part instant sur le compteur, c'est horrible. C'est si dur. Pas mal, la petite vie là-dessus qui met extrêmement bien. Je sais pas si je dois vraiment aller très vite ou pas par rapport aux 1 minute 30. Genre je sais pas si 1 minute 30 c'est vraiment genre en mode oui quand même faut faire le parcours assez vite ou c'est... Alors juste termine-le. Non pas ce jump, on s'en rappelle. Voilà là, doucement. Tout à l'heure on a fait un peu nimp. Voilà. Le virage est un peu serré là. Ah c'est là. 1.23, bah c'est bon. Je saute, rien à foutre. Quoi? Pourquoi? Il faut aller voir l'autre qui est je sais pas où. Mais ponce, mais je croyais, je pensais que c'était genre en mode voilà, cinématique terminée. Fin du buzz quoi. Putain, faut refaire. Mais oui, non mais j'ai cru que c'était une fin de buzz. Allez, on l'a fait une fois, on va le refaire. Hein. De toute façon, depuis le temps qu'on travaille en contre-la-montre, celle-là, je pense que... Wow. Parce qu'il est temps pour nous de prouver que c'est régu. Bon, par contre, en vrai, j'ai mal au poignet, en fait. Très désagréable cette position. Non, ça c'est les pires mouvements ça. Tu dois faire mieux que 1 minute 25. Ah je dois me battre moi-même là du coup. Putain mais attendez j'avoue. Regardez le temps. Attends. Attendez. Je respire. Full bug, ok. T'as 3 minutes, ok ça va. T'imagines l'enfer? Attendez, je m'échauffe un petit peu, il fait chaud. Ok, on va pouvoir y aller. Allez, on y va. Focus comme jamais. Ambiance tournoi du dimanche. Concentration. On se remet droit dans l'axe. On fait un joli jump ici. Peut-être qu'on arrive sur la ville là si on gère bien. Voilà. Ok. Ok, don't panic. Pas besoin de panique. Pas besoin, on est bien. On récupère ça, ouais, super. Bon là par contre c'est une carapace bleue, je suis deg hein, quand même. C'est le dernier tour. Ah oh c'était tricky. Ah pourquoi il a fait ça, c'était tricky. Ça a pris un jump un petit peu particulier, je m'attendais pas à ça. Et derrière... D'ailleurs, c'est aller chercher une chute, quoi. Ouais, ça a sauté un tout petit peu. Les vagues font mal, hein. Allez, go. Par contre, je comprends pourquoi ils mettent de la vie partout. Genre, il y a vraiment beaucoup de vie. J'en ai combien, là? 52 des vies. Je suis rentré ici avec 40 vies, je crois. Il y a des gens du coup qui ont fait ça à 9 ans avec une Wiimote. Hein? La stabilité mentale du minot quoi, t'imagines? Ah ça m'étonne pas après de voir du backseat et tout dans les chats hein. À vengeance hein. Normal. En vrai normal.
Allez. On est bien en termes de vitesse, la trajet est bonne. Voilà, la trajet nickel. Les pièces même peut-être. La vie. Oh, j'ai eu tout sauf la vie, c'est pas grave. Doucement. On perd pas le nord. C'est bon, je tombe pas, ok. Merci Spirit pour le deuxième mois, merci beaucoup. Oh oh, 1,29,75, t'es très doué. C'est pas donné à tout le monde un tel talent. Tout le monde veut te voir. Va les saluer. Bon. Aucun souvenir de cette merde. Alors là, pour le coup, c'est le truc des épreuves. Alors peut-être que vous l'avez pas fait, parce que c'est pas obligatoire, je pense. Peut-être. Badabon. Je vais mater le world record, c'est énorme. Il est à combien le world record? Non, c'est pas du tout un objectif que j'ai de l'avoir, mais il est à combien? Attends, venez, on se le mate. World record surf Super Mario Galaxy 1. Go le regarder. On va le regarder, messieurs, dames, je l'ai, il y a 11 ans. 47 secondes. Sérieux? Je vais bader. 47 secondes. À mon avis, il y a un gros cut. Merci Zeno pour les 100 bits, merci beaucoup. Ah ouais, d'accord, ok. Oh, les lines sont propres. Les lines sont ultra propres. On continue. Régal, RAIE, bien sûr. En fait, il joue. Ah, il est vraiment à la. Le cut là-dessus est monstrueux! What the fuck? C'est insolent comme truc. Attends, ferme là. What the fuck? C'est du TAS. Je sais pas si c'était du TAS, ça. Merci, Starfix. Merci beaucoup pour l'abonnement. Je sais pas si c'était du TAS, ça. C'est... Sérieux? Je suis pas sûr. Le TAS, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est en gros quand on met les images... on met frame après frame pour faire le truc le plus parfait possible. Et du coup, tu bats des records du monde, etc. En gros, tu mets frame après frame l'image et ça fait une vidéo qui est parfaite, entre guillemets. C'est pas assez fluide. C'est pas écrit, hein, TAS, là. Merci, Don't Do It pour le prime, merci beaucoup. Là, c'est un cut, hein. Là, c'est pas du TAS, hein. Non, TAS, c'est un bot. Oui, j'explique... J'explique comment fonctionne... on s'en fout le fait que ce soit un bot, non? J'explique juste comment ça fonctionne, ce que c'est, quoi. On s'en fout. Oui, c'est un bot, si vous voulez, mais qui met frame après frame le meilleur truc pour faire, tu vois, la meilleure courbe ever, voilà. En gros. Oui, c'est un bot qui le fait, mais en gros, le but, c'est mettre frame après frame le perfect truc pour que ça fasse la meilleure courbe possible. Voilà. J'ai actuellement le choix entre écouter mon cours ou écouter ton live. J'ai vite choisi. C'est chaud. Pour l'avenir, c'est chaud. TAS, c'est pas du frame par frame? Ah, ok. Je croyais que c'était du frame par frame. Ah bon? Ah, ok. Pardon. TAS, speedrun, définition. Ah, je croyais vraiment que c'était du frame par frame, en fait. Donc, le TAS. Merci à Desk pour le subgift. Merci beaucoup. Le Tool Assisted Speedrun ou Tool Assisted Superplay est un... Speedrun, finir le plus rapidement possible d'un jeu vidéo réalisé à l'aide d'un émulateur ou d'outils inaccessibles à des joueurs ou à la manette, comme le ralenti ou le réenregistrement, qui permet de recommencer n'importe quel passage de jeu autant de fois que l'on souhaite.
Ces outils permettent de s'affranchir des limites humaines en termes de compétences et de réflexes et d'utiliser ainsi des techniques qui seraient bien trop compliquées, voire impossibles à mettre en œuvre sans l'aide de ces outils. Voilà. Merci Pépinos pour le troisième mois, merci beaucoup. Voilà. Comme ça, vous avez l'info. Ouais, bah my bad, je pensais vraiment que c'était du frame après frame, mais c'est pas du frame après frame, effectivement, c'est plus du move après move, quoi. Je sais pas. Ouais. Bon, mon explication était pas tout à fait accurate, mais quand même, quoi. C'est un peu... ouais. Plus ou moins... Mais ça, c'est ce qu'on a vu, là, c'est pas du tas, je crois. Taboulé au salami, tout à fait. Le tas, le taboulé au salami. Tout à fait. Ça dépend de comment il est codé. Oui, après, bon, bien sûr. Bien sûr. Bon, voilà, en gros. Bref. Galaxie complète, c'est tout ce que je vois, quoi. Nouveau record, en plus, voilà. Effectivement, les tasses sur les Mario Kart sont assez impressionnants, oui, c'est vrai. Bon, ben, on a fini les défis. Voilà, go tenter le cut. Ah, vous voulez que je batte le record du monde, là? Ah, si vous voulez, je bats le record du monde, là, avec le surf, c'est faisable, hein. Non, non, mais non. Non, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. C'est la pire idée ever. Go essayer au moins. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'on essaye à chaque fois une ou deux fois par session, histoire de quoi. Fais-le vite fait, s'il te plaît. Ça sert à rien, je vais tomber. Juste le cut, pas le world record. Non, 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 non. Plus tard, plus tard, plus tard. Plus tard, on tentera, c'est sûr. Plus tard, on tentera un sub, une minute, ok. C'est sûr. C'est sûr. Mais là, dans l'immédiat, j'ai juste envie de me balader au milieu des galaxies, quoi. Pitié, non. Ah ben voilà. On n'a pas fini du tout, mais oui. Continuons, messieurs, dames. On a quand même des belles choses à faire, on continue. Si ça se trouve, sans faire exprès, tu vas réussir. Alors, battre des records du monde sans faire exprès, c'est quand même rare. Quand même. C'est quand même rare. Sable mouvant sans fin. Vas-y. Merci Quentin pour l'abonnement, bienvenue. Donation Gold, The Event 2021. Le pire Donation Gold. Le pire Donation Gold. Ouais. Magnifique ce qui se passe. Et les deux. Voilà. Quel fight, quel fight! J'ai même pas lu ce qu'il fallait faire, merde! J'ai pas lu ce qu'il fallait faire. On va avancer. Ah, mais si, ça c'est le truc secret qu'on a fait tout à l'heure! Attendez, on va avancer. On va avancer. Merci Colibri Rouge pour le deuxième mois. Merci beaucoup. Ah, il y avait un truc pour moi. Je vois rien. Je peux pas voir. Sérieux? Ah, j'ai vu un truc là-bas. Ouais. Ouais. C'est pas mal du tout ça. Pas mal du tout là ce qu'on est en train de proposer. L'orbite est parfaite ici. Boum. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop drôle ce jeu vraiment. On va faire ça, boum. Boum. Là il y avait le truc, regardez. Attendez. Là. Voilà. Voilà. Hop, la rota! Elle est magnifique cette rotation! Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est ça. Ah oui, voilà.
Aïe. Alors attendez, parce que là c'est déjà l'enfer, ça. Ah ok c'est parti, pardon. Faut sauter là. Ok, ça part super vite. Est-ce que je peux le dégommer comme ça? Bah. J'ai pas la réponse à ma question, mais peut-être on va voir. Ok. Laisse-moi récupérer ça. C'est non. Alors peut-être ici. Est-ce que je peux envoyer une. Elle est où? Qui? Oh, je l'ai entendu se casser. Regardez, elle repasse là. 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 L'orbite. L'orbite est totale. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire là? Non, je suis arrivé par là, je crois. Oui. Ah, il y avait un truc là. Ah merde, je crois que je l'ai dans l'os, non? Ouais, bon. Je... Ah, il y avait un truc là. Ah non, c'est un enfer. Là, venez, on s'arrête ici. Non, ok, bon bah, ouais. Putain, mais je me fais victime par le sable. On va reprendre. Y a aucun problème. Ah, comme quoi. Parfois. Merde, c'est là. Ok, super. Là, c'est. C'est magnifique. Non. On va le faire. On va le faire. Pour la daronne. Pour la daronne, on va le faire. Pour la daronne. Très bien. Très très beau. Boum. Ici, on va récupérer bien évidemment ça. Ultra facilement. Ultra facilement, toujours dans l'abus. Peut-être une pièce quand même. Voilà. On se lâche ici. Et donc soit là, soit là. Ah ouais, bah là-bas. C'est énorme. Ça me fume. Là. Ah. Pas là. Là. C'est pas mal. C'est pas mal ce qui est en train de se passer. Ok, c'est du platformer un peu tendax là qu'on est en train de vivre. Ok. Mais là en fait je tourne sur moi-même, oui c'est ça. Ah non, pas du tout. Oh. Merci Robert de la campagne pour les 100 bits, merci beaucoup. Bonjour. Très jolie musique. Ya, yeah. Ok. Écoute ce son. C'est pas tout à fait en rythme, c'est un peu chiant. Quoi? Il y en a tant que ça? Elles vont disparaître sous mes yeux. Propre. C'est nickel. Il est infini ce niveau. Il y a quoi de l'autre côté? Trop smart. Il y a ça. Et il y a ça. Ici, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Ah, je peux passer là. Je peux commencer à partir là. Ah oui, d'accord, ok. Bah, vous savez quoi? Vu que je peux aller là, je vais quand même tenter d'aller là. Enfin, je vais continuer. Aïe, ça c'est pas très... Ouais. Ouais. Non, c'est très bien joué de sa part. La poussette était propre. La poussette était très propre. J'ai beaucoup de vie, c'est pas très grave. On est bien. Est-ce qu'on va refaire la même erreur? Allez! Et non, pas deux fois. Ah si, on a glissé sur le côté. Non! Bah c'est super, super. Parfait. Super. Plus que 56 chances. Exact. Là j'ai une question sur les tornades. Est-ce que c'est des tornades qui m'envoient en l'air comme
Voilà. Qu'est-ce que je fous? Oh, c'était close, hein. Bon, là, il y a le tombe le plus méchant du monde. Ouais. Lui, s'il m'envoie en l'air, ça fait quoi juste? Quelques pièces, ouais. Vas-y, il y a quoi de l'autre côté? Oh, là, le level design est dingue, hein, pour le coup. Est-ce que je peux aller là-bas, vous pensez? Oh, il y a l'étoile, là. Merci à Aerox pour le prime, merci beaucoup. T'imagines? Je le passe. Je vais le tenter. Je vais le tenter parce que c'est fun. Aucune chance. Non, c'est... Allez! C'est pas grave. Juste, j'ai pas checké du coup. Alors, tac, trou là et là. Et donc là, il y a normalement devant moi deux trous là et là. Bah voilà. Et est-ce que je peux aller là-bas? Ça me semble un peu chaud. Merci Aldorido pour le subgift. Merci. Attendez, et si je fais ça? Ça. Oh, c'est ultra osé. Non. C'est impossible. Non, je pense pas. Et je suis arrivé par où là? Je suis arrivé par là? Ah non? Non, je suis arrivé par là-bas. Dis-moi que ça suffit. Ok, bon. Ça ne suffit pas du tout. Ça ne suffit pas du tout. Alors. On va récupérer ça. On va prendre ça. Voler. Est-ce que ça passe? Oui. Pourquoi tu repars? Mais parce que j'ai envie de tester. J'ai envie de tester un truc. La tornade qui est là, là. Ok. Ah non, ok. J'ai voulu voler et passer de l'autre côté en volant, en gros. Pour voir si on pouvait faire ça. Mais je crois que j'y arrive pas. Je crois que j'y arrive. Enfin, je sais pas du tout. Non, on peut pas. Arbus vigoureux, merci pour le quatrième mois, merci beaucoup. Arbuste vigoureux. On prend ça. On va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. L'enfer, j'ai cru que ça allait jamais me faire décoller. Et donc de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Est-ce qu'on peut passer de l'autre côté ici? Ah mais il y a l'étoile là. Je me fais mindfuck là. Ok, c'est un complot je pense. Ok, je pense que c'est un complot en vrai. Je vais aller... Je pense pas besoin de prendre cette vie en vrai. On a quand même beaucoup de vie. Oh, l'orbite est magnifique! C'est ouf comme dans ce... Alors je sais pas si c'est seulement moi ceux qui l'ont fait, dites-moi, mais... J'utilise très rarement le saut, vous savez, le saut demi-tour. Que j'utilisais énormément sur Sunshine parce qu'il est plus direct. Sur Sunshine, c'est vraiment le changement de direction, ça te fait le... C'est instantané. Là, pour le coup, beaucoup moins.
Donc moi perso je m'en sers quasiment pas quoi. Concrètement on a ça qui... Enfin on a des trucs vachement bien Il était un peu abusé ce saut. Ouais il était un peu abusé. C'est vrai. Oui. Pardon. Mais du coup j'ai pas checké ce qu'il allait se passer. Bon au pire on refait hein, mais... Tornade ouais. Ça fait quoi quand... Ça juste ça baisse ça. On va checker, on va checker, on va checker. On n'est pas pressé, on a le temps, on a le temps. Ça a dû activer autre chose de l'autre côté, je pense. Mais attends, ça dure combien de temps? Parce que du coup... Yes, bon, bon, on va aller checker, du coup. Ah voilà, ça a créé ça qui amène à l'étoile. Ok, très bien. Donc on a un peu le temps. On a même grave le temps, attends. What the fuck? Merci Vorlox. Merci Vorlox pour l'abonnement. Let's go. Tu fais aucun effort, Ponce. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est normal de checker, enfin, je sais pas. Bon là ça va être chiant je pense. C'est free? C'est free? C'est tranquille? Excusez-moi, je parlais à ma modération. J'écrivais, n'hésitez pas à bannir les gens qui backseat. Voilà. Allez, on continue. Honnête là-dessus, honnête, honnête, honnête. Parce que moi, je vous rappelle que je suis en phase de découverte du jeu. Hein. Allez, île sablonneuse, on continue. Moi je suis en phase de découverte, hein, ça sert à rien de me dire ah mais Ponce t'es bigleux ou quoi. Je découvre quoi, donc je sais pas trop où regarder. On tente. Le traquenard du désert. Tu l'as jamais fait ce Mario là, c'est une honte. C'est pour ça que je le fais maintenant. Du coup. Bienvenue dans la galaxie. Ouh la honte, il a jamais fait ce jeu. Ouh la honte. Ouh la honte, il a jamais joué à ce jeu, c'est la honte. Ok go. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup Barani pour ton quatrième mois, merci. T'as pas honte? Bah si, j'ai un peu honte en vrai. Ah merde, j'ai pas de fragments. Ah, elle me chie des bombes. Tu me chies des bombes. Oh. Pourquoi je passe là? Il faut que je monte là? Ah, très bien. Gros backseat à la fin, Mario sauve la princesse. Effectivement. Et premier fragment. Ouais. Il y a un cactus là, il y a ça là. Ça, ça ne fait rien. Enfin si, ouais, non, 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 ça n'a rien fait je crois. Et si je vais là et que je fais ça? J'ai pas eu le temps de monter. Ah, très bien. Bon, on va rester en bas du coup, on pourra remonter avec ce mur. Oh, aïe, 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 ça nous met bien. Je peux jamais envoyer ça là moi. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Comment je peux faire pour récupérer ce coffre? Du coup.
trop bizarre. Là, ouais, j'ai ça, d'accord. Est-ce que je peux sauter et faire ça avec? Ah, je peux wall jump avec ça? Ah oui, d'accord. Mais alors, du coup... Il est où le coffre? Alors, il y a ça ici. Il est là, le coffre. Bon, attends, c'est ultra chaud d'aller chercher ça. Vous croyez qu'en tombant et en lâchant le truc, je peux le faire? Non. Non. On va tenter. On va sniper. Vous savez, c'est fatigant hein, d'être nous-mêmes. C'était quel côté du coup? Merde, je sais plus quel côté, c'était pas celui-là. Chut, chut. Ok, on l'a ouvert, c'est le plus important. C'est le plus important. On l'a ouvert, on y retourne. On y allait une fois, on y va deux fois. Attends juste, m'embêtez pas. J'espère qu'ils m'attendent pas à la sortie du collège. C'était où déjà? Non, c'était pas là, c'était... En fait, c'était là, je crois. Exactement. Exactement. Alors, je sais pas si c'était comme ça qu'il fallait faire. J'en ai aucune idée. Et ça remonte. Et on y est. Et même, vous savez quoi? Attendez. On va faire ça. On va monter avec ça. Ah mais je peux pas du coup. C'était pas comme ça, putain, mais what the fuck? C'était comment du coup? Du coup, sans déconner, je me demande comment on fait. Hein. Ok, Noda. Merci pour ce conseil, bien sûr. Très sympathique conseil. J'ai rien fait. J'ai vraiment rien fait. Hein. Merde, ok. Oh bah go. Ça fait quoi ça? C'est quoi ça? Je pense que c'est de la déco. Ouais, ok, non mais ça va trop... Oh! Quoi, j'ai débloqué quoi? Je fais dans le mauvais sens, je pense, non? Ouais. On reprend ici. Est-ce que ce ne serait pas un truc secret? On va voir. On va voir. Badé là cet énorme canon. Ah ok, alors ça c'est le truc le plus chiant. Ok, ça va, j'ai eu peur. Merci Talismar pour le prime, bienvenue à toi, merci beaucoup. Ah, par terre, tu t'éclates sur le sol. Maintenant là contre le mur, boum, c'est bon. Ah non, je voulais... Ah! Oh, il y a une étoile. Attends. Oh, il y a des étoiles. Oh, il y a... Ok. Merci, Mentalox, pour le 8e mois. Et du coup, si je fais ça... Ça tire. Ouais. Ah non, ça repart. Ah non, pardon. Ah non, c'est l'autre bouton. Je me suis trompé de bouton. Ah, pas la tête. Attends, détruisez-moi ça pour moi. Il peut? Il a détruit personne. Oh, ils sont très nombreux là. Bon, ça remonte.
Ah mais du coup, il y a plus personne. Ah si si, il y en a un là. Faut qu'il me suive, faut qu'il me capte. Il me capte. Va pas trop vers le bas, va pas trop vers le bas. Voilà, ici et là, là. Wouh! Allez où? Allez là. Te fous de ma gueule. Oh si je meurs. Oh si je meurs. Oh si je meurs. Faut sécuriser la zone à mon avis. Ça fait rien. Ça n'a rien fait du tout. Ça n'a rien fait. Autant prendre l'étoile et arrêter de jouer safe, je sais pas quoi. Ça ne servait à rien. Prenons l'étoile. Et c'est une étoile bonus en plus, je crois. Et ça, c'est bon. 63. Les autres étoiles. L'autre étoile. Bah, l'autre étoile, on va la chercher après. Ah, l'autre étoile, l'objet. Non, je crois que c'était une étoile d'invincibilité. L'autre étoile qu'il y avait à côté, pardon. C'était une étoile d'invincibilité, je pense que tu voulais tout tuer, un truc comme ça. Après, peut-être que ça faisait pop des trucs ou quoi. Mais il me semble que c'était ça. Et encore une étoile cachée de récupérer, messieurs dames. Et le 100% qui se fait... Alors, je vais pas dire sans forcer, mais... Mais je vais dire sans forcer. C'est énorme. Et donc, du coup, on était en train de faire ça, à la base. Merci Nobody pour le prime, bienvenue. Merci beaucoup. Bon, c'est hors sujet, mais nouvelle grosse mage Animal Crossing jeudi. Ouais, j'ai cru comprendre, j'ai cru voir. Merci Dardis. Bon, donc, on a fait quoi tout à l'heure? On a fait ça, ça, ça commence à tomber. Il y a un event qu'on peut peut-être récup, d'ailleurs. On va le récup. Je crois qu'il y a une vie, donc, après, là, ouais. On va passer par cette vie. Ah, on a raté la vie. On a raté la vie. Là, peut-être ça. Ça peut nous mettre bien ça. Ouais. Ya. Parfait. On continue. C'est un live ou un replay? Cette question, elle m'étonne vraiment. Genre, j'avoue. Elle m'étonne vraiment, cette question. Est-ce que c'est un live ou un replay? Parce que je pense qu'on devrait pas trop avoir à se poser la question sur Twitch. J'avoue. Et de manière générale, mettre des replays sur Twitch, c'est quand même pas insane. Hein, on devrait quand même pas avoir à se poser la question, j'avoue. C'est dommage. Let's go. Alors, prenons cette carapace. Du coup, récupérons ça. Mais du coup, est-ce que c'est un live ou un... Chut, chut, chut. Ah non, je pensais pouvoir me réceptionner comme ça, c'est pas grave. Ah oui, il y a ceux-là. Ah! Mais ça va pas, la tête, ouais. Ça va pas. Non, mais c'est vrai que c'est un truc qui m'embête de savoir qu'il y a des gens qui peuvent arriver sur des lives et se dire est-ce que c'est un replay ou pas. C'est un truc qui me... Bah ouais, c'est dommage, quoi. Normalement, une chaîne, si elle est on, Alors, sauf pour l'e-sport, parce que voilà, des fois, il y a des trucs en e-sport qui se passent un peu tard ou quoi, mais... Bon, et du coup, il y a du replay, mais normalement, si une chaîne est on, c'est du direct, quoi. Mm. Ouais, Squeezie l'a fait beaucoup. Il l'a fait beaucoup, notamment à Noël, je m'en rappelle, l'an dernier, où je me disais, mais what? Pourquoi? Effectivement. Boum. Y'a pas que lui, hein, y'a d'autres personnes qui le font. Pendant les vacances surtout. Bah ouais, mais bon. Je vois pas trop le...
J'avoue que je vois pas trop le good move à faire ça, quoi. J'ai un peu du mal à voir pourquoi c'est une bonne idée. B-Boy tout le temps aussi. Ah ouais, B-Boy il le fait ? Je savais pas. Je sais pas, je trouve pas ça ouf, vraiment. Après, chacun fait bien ce qu'il veut. Y'a rien à récup ici ? Ok. Ah ouais, peut-être quand les replays sont... Ah oui, effectivement, quand les replays sont réservés aux subs, ça peut permettre aux non-subs de pouvoir mater les replays gratuitement. C'est vrai. C'est vrai. Attendez, qu'est-ce qu'il faut foutre, là ? Donc là, il y a ça, là, il y a cette bête. Ah, si, d'accord, il faut la tuer avec une des boules qu'il y a en face. C'est bon. Ah non, attends, est-ce que je peux... Non, ça va être très compliqué, cette histoire. Est-ce que je peux l'envoyer en face ? C'est exactement ça ! Et les gens n'ont jamais compris à quoi servait le point d'exclamation replay dans le titre, du coup, qui a été retiré. Le point d'exclamation replay dans le titre, en fait, il sert à... Enfin, cette commande sert... Let's go ! Cette commande sert à donner le lien de la chaîne YouTube Replay, parce que récemment, on a ouvert une chaîne YouTube Replay pour justement mettre les replays, d'ailleurs. Ah, ok, c'était pas ça. Ou alors, il en faut plusieurs. Et c'est juste pour donner l'adresse de la chaîne YouTube, c'est tout. Je vais renvoyer ça là-bas, boum. Je vais envoyer ça là-bas, boum. Eh, j'en envoie plein. Ok. Boum. Boum. Comme ça, on est bien. On en a quelques-unes. Bon, alors, la bête. Ouais, viens là. Ça touche ? Ça touche. Voilà ! Bon, c'était sûr. Ok. Je me fais un peu mindfuck par la vue là, c'est énorme. Merci Cucu. Merci Cucu pour le 20e mois. J'espère que tu vas bien. Stop le BS, please. C'est vrai. Salut Ponce, les replays de Hades seront mis sur YouTube. Ouais, ils y sont déjà, mais ils sont sur la chaîne justement replay. Ils y sont déjà. Hein. Toutes les runs d'Hades sont sur YouTube. Nice. Jobin Higashikata. Merci pour le prime. Est-ce qu'on serait pas en train de se faire mindfuck là actuellement ? Si. Mais est-ce qu'il faut prendre de l'avance ou faut avancer avec le sable ? Qu'est-ce que j'en sais moi ? Non, on va prendre de l'avance. Non ? Bon bah. Non. Ouais. Ouais, j'ai peut-être un peu trop attendu là. On va mourir. Non. Yes! Merci beaucoup à Eresk qui vient de s'abonner avec 6 mois d'avance. Merci beaucoup. Ça me rappelait la mort ensablée dans Outer Wild, c'était horrible. Penny Red, merci pour l'abonnement, bienvenue. Oh, j'ai un peu paniqué, j'avoue. C'était large. Ah ouais, c'était large. Je me rends pas compte de savoir si c'était large ou pas. Pain Winter aussi, merci pour le 11e mois.
Comète rouge ? C'est pas le truc du chrono, ça ? On va voir. Bon, je le retiens pas du tout, c'est énorme. La coco rouge. La coco rouge. Merci Rafiki pour le troisième mois. La coco rouge. Contre la montre, ouais, c'est ça. Ça va être chaud, ça va être très très chaud. Est-ce que tu connais le ratio sub classique sub prime sur ta chaîne ? Pas exactement, ça doit être quasi 50-50 en vrai. Ah, ça a commencé le contre-la-montre, bien sûr. Aïe, je suis trop nul. Ah, au milieu ? Les trois ? Ah non, bah ouais, non, non. Attends, je vais vraiment mourir là ? Il me faut une pièce, hein, quelque part, je sais pas, au hasard, Nintendo, faites-moi plaisir. C'est laquelle d'étoiles là ? Il faut faire vite. Parce que j'avance, j'avance, mais j'en sais rien moi. Ah, mais. C'est pas celle que je viens de faire d'ailleurs. Ah non. C'est ça. Je découvre Galaxy avec toi, Ponce. Pour moi, 64 était le meilleur. J'étais resté dessus, c'était mon enfance, mais c'est un plaisir, c'est stylé. Ah, le jeu est trop stylé, hein. Honnêtement, bah moi j'avais jamais fait Galaxy, mais à chaque fois que j'entendais Galaxy, les gens disaient « Galaxy, OMG, meilleur jeu du monde !» Je me disais « Ouais, à voir, à tester, Inch'Allah. » Et en vrai, bah c'est... Excusez-moi. Ok, c'est pas grave, tranquille, ouais, c'est de la merde. Et du coup, je sais pas. Je sais pas, mais c'est vrai que. Galaxy. Je sais pas, il rend un peu addict en fait le jeu, c'est marrant. Il rend un petit peu addict, c'est assez improbable. Je crois qu'il y avait un truc là, ouais, voilà. Le coffre, le coffre. Et enfin, le cristal. On avance, on avance, on avance. Maintenant, au-dessus des coffres, au-dessus des coffres. Et du coup, j'ai ultra hâte de découvrir le 2 aussi, parce qu'on fera le 2 juste après. Là, j'étais passé par là-bas, je préférais, mais bon. Pas sûr que ça soit forcément mieux. Waouh. Doucement, doucement. Allez, allez, 1 minute 50, 1 minute 50. Le 2 est sur Switch. Non, je le ferai sur Wii U. Enfin, sur Wii, Wii U. Enfin, sur... C'est un jeu Wii, mais je le ferai sur Wii U. Non, ça, on s'en fout. Aïe. Ouais, c'est non. Ah, c'est celui-là ? Ah oui, c'est vrai. Tac tac tac, donc il fallait aller là. Donc une fois que j'étais là, il fallait aller là, là là là. Appuyer sur ce bouton. Non, bah non, justement. Merde, c'était où déjà ? Oh, c'était de l'autre côté, voilà. Super. Il est où le bouton ? Je m'en rappelle plus. Il est là le bouton. Comment je fais pour aller là-bas déjà ? Je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle plus, je m'en rappelle plus. Bah ça doit être celui-là, non ? Mais non, c'est pas celui-là. Oh merde, je m'en rappelle plus. C'est loose. C'est loose. Mais si, c'était celui-là. Ah, c'est pas grave, au pire on le refera. Hein. Non, c'est pas celui-là. Je sais plus. C'était celui-là. Mais... Mon joystick ! C'était celui-là. Oh là, ça va être chaud. Ça va être chaud parce qu'après, ça va être du perfect timing qu'il va falloir aller chercher. Et ça... C'est mort, hein. Mais on s'entraîne pour tout à l'heure, c'est pas grave. Allez, joystick. Merde. Ah bah surtout si je fais ça.
Oh, yes! Bon, voilà. On ne le refera pas. Il me restait 2 secondes et demie, je crois. C'est large. Très, très large. Muscade à la Vega, merci pour le Prime. Et Arthur, merci pour le 19e mois à que coucou. Merci, Arthur. Merci, Benja Poil aussi, pour le soutien. I won this stage by a lot. By a very lot. Eh ben écoutez, vous avez vu comment on avance? En vrai, je suis assez pas fier, tu vois, mais... Je dirais pas que c'est de la fierté, tu vois, mais... Mais je pense que ça méritait un croc dans un donut. Salut Clacla, qui arrive à la modération. Je pense qu'un petit croc donut, c'est mérité. Je refais plus jamais ça, Pompon, je suis désolé. Yes. C'est énorme. Tu manges pas le midi, Ponce? En fait, je déjeune énormément. Je petit déjeune énormément. Et après, après le live, je mange. Voilà. En gros, c'est juste je mange pas le temps du live. Mais en vrai, je mange beaucoup avant. Et je mange après. J'avais pas dit un croc. Attendez, ouais. J'avais dit un croc, hein. C'est pas grave, hein. C'est un bon croc, quoi. C'est un bon croc. Ouais, c'est un bon croc. Il reste un croc. C'est exactement ça, en plus. Le régime. Ah oui, non, bah ça, c'est sûr, moi... Alors, la fin des ambitions du roi maléfique. Allons-y. Usine de matière noire. Ok, il va y avoir une histoire de changement de gravitation en permanence. Là, ça va être chaud. Une gravité. Déjà, j'ai failli sauter dans le vide. Attends, qu'est-ce qu'il va me dire celui-là? Ici aussi, c'est truffé de pièges. Fais attention à la gravité sur ton chemin. Oui. Écoute. On va faire attention. Oh, la musique. I am kiffing. Tac, tac, tac. Ok, on va écraser. Boum! C'est bien visé de la part du joueur. Ah, ça part maintenant? Ok. Musique exceptionnelle, messieurs dames, qui nous rappelle évidemment. Hein? Quoi? Attends. Voilà, merci. Merde, j'aurais dû. Bah oui, bien sûr. On va retourner ici du coup. Comme ça. On va remonter. Boum. Là. Oui. Voilà. Ah bah j'aurais pu. Ah oui, d'accord. Tout va bien de mon côté. Steambye, merci pour le 2e mois, merci beaucoup. Steambye qui dit quoi? Je reste abonné ici parce que grâce à toi j'ai découvert John et que c'est incroyable. Je dois représenter environ 200 écoutes en 1 mois. Oh ça va. Oh ça va. Honnêtement, c'est ok. Merci Pradax pour le Prime aussi, merci beaucoup. Honnêtement, ça va. Merci Sarrazin aussi. 200 écoutes en 1 mois, ça va. En vrai, c'est énorme. La pluie, ça mouille, qui vient de s'abonner, et je suis assez d'accord avec cette affirmation. Anirin, merci pour le 10e mois. Merci beaucoup. Ask Giz aussi, merci pour le 10e.
Il y a des trous qui se déplacent. Et je saute dedans. Non, ça va. Attention, longue. Ah, il y a des trous. Des petits trous, des petits trous. C'est quoi ce bloc caché là? C'est un trou. Justement, on en parlait de ces trous là. On va aller là du coup. Non, bah non, je pense que c'était bien là où on était. Ouais. Il y a des trous là. C'est joli, hein. Laserman, merci pour le Prime. T'as toujours été très pratique d'ailleurs, je te remercie. Ah, il y a un trou là-bas. Ok, il y a une villa. Ah. Ouais. Merde. Non! Bah non! Mais pourquoi j'ai sauté? Merci Laurie pour le quatrième mois, merci beaucoup. Ça va, il y a eu un checkpoint, je sais pas pourquoi j'ai sauté. Ah non. Incroyable, j'avais même pas pensé à cette situation. Incroyable. Je ne pensais pas que c'était possible. J'ai sauté un poil trop peut-être. Un tuyau Gax qui prime aussi, merci beaucoup. Attendez, on va faire ça. Topinambour qui fête son deuxième mois. C'est un festival, hein. Aïe. Attention, on va tomber où là? Merci Benja. On tombe à la mort en fait. Non mais... Ok. On y va, on se fait plus avoir. On connaît le jeu. Non mais on se fait pas avoir, bien sûr. C'est le jeu, je veux dire, voilà, c'est un classique, c'est du troll, c'est... On rigole, on s'amuse, d'accord. Mais on se fait plus avoir. Attends, il va me faire tomber là. Ouais, du coup, là. Ok. Zoup. Et là, est-ce que je peux sauter? J'ai pas vu en haut, par contre. Oh, le stress. Oh, bah ça va, ça m'a... Mais ça va. Ah oui, par contre, faut peut-être faire ça vite. Je sais pas. Ah non, fallait aller de l'autre côté. Bien sûr. Parapapapapam. Merci, Sheza, pour le troisième mois. Fini le let's play Outer Wilds. Un petit cham, je suis chaud. Merci à Vazou pour le cinquième mois aussi. On a fait tellement de jeux cette année qui nous ont marqué, enfin en tout cas moi qui m'ont marqué et qui ont marqué au final la chaîne aussi, c'est assez ouf. Entre Evoland 2, entre Hollow Knight, Outer Wilds, tous les Mario qu'on est en train de se refaire, Zelda Breath of the Wild, bien sûr. Qu'est-ce qu'on s'est fait aussi? Bah Pikmin, mais bon, Pikmin un peu court quoi comme expérience. Fort sympathique mais un peu court, c'est dommage. T'as pas fini Outer Wilds? Si, bien sûr. Si, bien sûr que j'ai fini Outer Wilds. Là, il faut se mettre là. Là, il faut sauter de cette manière. Et pas trop haut parce... Ah! Non! Non, j'aurais pas dû sauter, j'aurais dû juste tomber. Merci Thibaut et Jus pour le 9ème mois. Hop là. Là, je peux dire que les Joy-Con Rift, c'est pas la faute de Nintendo si j'en ai un sur mes Joy-Con. On va dire que je les explose, ces connards. Merci beaucoup, Lighting. Merci pour le Prime. Merci beaucoup. Pour moi, Outer Wilds, c'est carrément une révélation. J'ai tellement aimé ce jeu et le thème musical à la fin. Non, le thème musical du début à la fin, moi, je le trouve incroyable. Ah! Non, déconne pas. Oh, il m'a fait peur aussi, là.
Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu tellement peur. Ok, doucement, doucement. Parce que lui, il va m'amener là. Ok. Ah bah voilà, je vais pouvoir partir là. C'est parfait. Et hop, play. Qu'est-ce qu'il y a ici? Luma? Enchanté. Ah, emprunte ces escaliers. Ah bah merci, bien gentil ça. Vous savez que là, à tout moment, je tombe. Voilà. Emprunte ces escaliers. Ok, merci Falei pour le deuxième mois, merci beaucoup. Messieurs, dames, notre ennemi de toujours. Tu es déjà là. Tu es bien mon ennemi juré, Mario. Mais je vais sur le champ te transformer en déchet galactique. Alors. Ah! Pourquoi je tourne la tête? Oui, alors il faudrait qu'il saute ici là. Voilà. Voilà, il détruit ça. J'ai perdu un peu de vie, mais c'est pas très grave. Si, pendant qu'il fait ça. Voilà. Je peux aller le rechercher peut-être? Ouais. On va prendre notre sixième vie. Attention à ça, attention à ça, il fait un peu peur, là, hop là, il se fait mal, c'est parfait, on va le chercher de l'autre côté, oh merde, oh bien, oh il me brain, ouais, de l'autre côté ici alors, boum, je sais pas qui est le boss, c'est lui ou moi? Je dis ça, je vais me faire outplay dans une seconde. Ah! Voilà, calme-toi, voilà, c'est bien. Ouais, c'est bien. Merde, putain, mais il a chaud au cul, mais t'es Bowser, mec. Ok. Il fait quoi? Quelle est ta trage en fait? T'es où? Bowser! Bowser! Ah, il est là. Ça va aussi? Aïe, ouais, pas mal ça. Ça, c'est bien joué. Je suis pas au bon endroit. Si, là. Ok. Je suis con, c'est n'importe quoi ce que je fais. Je vais me faire karma. Pourquoi j'ai parlé? Ok. Il va arriver là. Il a peur forcément. Ok, il rebondit jusqu'à... Insane fight. Pardon, j'avais oublié ma voix. Je reconnais bien là mon ennemi juré. Enfin, cette fois, c'est trop tard. Pendant que nous faisons joujou ici, mon plan touche à son but. Dommage pour toi, Mario. Petite merde. Bisous, je m'envole. Let's go. La musique me fume à chaque fois. On a obtenu une grande étoile. Une très très grande étoile.
Ah! Attendez, c'est le moment où, entre guillemets, on peut terminer le jeu si on veut, c'est ça? Pas sûr. Ok. Tu es une très jolie fleur. Merci, Paddle. T'as d'autres voix comme ça? Ouais, j'en sais top de temps à autre, des petites voix comme ça. Après, y'a rien de dingue, hein. C'est juste histoire de changer un peu, parce que moi, j'ai toujours beaucoup apprécié faire les voix de moi-même, avec mes cordes vocales, ma bouche, ma langue, mais c'est vrai que ça rajoute un petit peu des trucs que je peux faire. Et encore, j'exploite quasiment rien. Maître Bouldi, info boutique, cher Ponce. Les services postaux ont décidé de suspendre les envois de colis de la France vers la Belgique. Désolé à tous nos amis belges. Ah merde! Info boutique de la part de Maître Bouldi, messieurs, dames, professionnels de la boutique, bien sûr. Apparemment, les services postaux ont décidé de suspendre les envois de la France vers la Belgique. Donc, les copains belges, ça semble compliqué pour le moment. Voilà. Putain, c'est chaud. Et du coup, c'est un peu confinement des colis, quoi. Ah ouais, c'est chaud. Oh non, je voulais en commander un pour Noël. Bah d'ici Noël, peut-être que ce sera revenu. On verra. On verra. Merci beaucoup Day One pour le subgift. Merci beaucoup. Mais merci pour l'info boutique en tout cas. Les entrepôts belges sont submergés de colis. Ils n'arrivent même pas à suivre la cadence pour le moment. Ah oui, d'accord, ok. Merci Nono pour le 10e mois. Ok, bah comme ça vous avez l'info. Merci pour l'info en tout cas. On en profite pour embrasser nos copains belges. Tant qu'à faire. Si on ajoute à ça la défaite en demi de la Coupe du Monde, les Belges ont vraiment tout perdu. Geozan, ça fait très très mal. Attention quand même. On vient d'embrasser nos amis belges, Geozan. Un petit peu violent peut-être comme message directement. Puis en plus, il manquerait plus qu'un petit... Et là, bon, ce serait un petit peu violent. Nous avons découvert où se trouve celle qui t'est chère. Regarde la plaque à tes pieds. Elle indique la puissance stellaire qui nous manque pour nous rendre au cœur de l'univers. Un peu de puissance nous est rendue chaque fois que tu ramènes une super étoile. Et lorsqu'il aura atteint zéro, l'observatoire de la comète retrouvera ses capacités d'astronef. Et nous pourrons nous rendre au cœur de l'univers. Sauvegarder ? Oui. Bon ben voilà, l'observatoire de la comète a retrouvé toute sa puissance. Nous pouvons à nouveau voyager entre les galaxies. Bon ben, ok, bon ben. Yes. Bah ben, j'ai pas mal donné, ouais. Le moment est enfin venu, veux-tu te rendre au cœur de l'univers? Ou t'attends celle qui t'est chère? Pas pressé, perso. Reviens me voir lorsque tu te sentiras prêt. Je suis pas pressé de mon côté, moi. Pas mal de trucs à faire, j'avoue, avant de retrouver la femme de ma vie. Alors... Qu'est-ce qui nous manque? Déjà, on va aller dans la chambre d'harmonie, voir ce qui s'y passe. Est-ce que j'ai... Comment ça fonctionne? Est-ce que j'ai tout? Ou est-ce que ça... Qu'est-ce qui se passe? Peach attendra. Oui, non, mais Peach, ça va aussi. Bon, là, en tout cas, j'ai tout. Après, j'en sais rien. Non, je vais aller consulter la carte. Ah, du courrier. Ah, quelqu'un qui a faim. Ah non, c'est le truc comète, je sais plus. Qu'est-ce qu'il y a? Et t'as reçu une lettre de Luigi. Oh le con. Je sais où il est. Toi, une super étoile, mais je suis coincé, regarde la photo, viens m'aider. Oh, qui est con. Il me fatigue. Pour revoir la photo, mais y a même pas besoin. J'ai vu mon frérot, je sais où il est. Y a pas de souci. Putain, Luigi, il est sympa, il est marrant, mais il nous met souvent dans la merde. Hein. Je crois que c'est ici, non? Ouais, je crois. Je pense que c'est là. Hum.
Il arrive quand même à envoyer, c'est vrai ça, il arrive à envoyer du courrier mais pas à descendre de l'arbre quoi, quel enfer. Mais lui il est pas là-bas, il est juste là Luigi. Il est juste là, il est accroché à cet arbre. Non. Il est... Non, je sais où il est. Il est là. Non. Si, je crois en vrai. Trop bien ce monde. Je saurais pas dire quel est mon monde préféré, mais trop bien. Merde, c'est pas là. Non, c'est plutôt là, ouais, déjà, premièrement. Voilà. Voilà, on va monter ici. On va monter là. Je peux absolument pas. On revient. Cancel. On va monter ici. Et là, on va essayer de déplacer la cam. Non. Non, je pense pas que Luigi soit là-bas. Hein. Attendez, venez, je retourne là-bas. En fait, pour moi, il est là. Il est en face. Est-ce que je peux monter par là? Ou est-ce qu'en haut, il y a un truc? Est-ce que je le tente? Arrête de me suivre, toi. Mets-toi. Non, ça craint. Non, ça... Ça craint, on fait demi-tour. Comment j'étais allé là-bas déjà, je m'en rappelle plus. Alors là, il y a la balançoire, bien sûr. Ah. Non. Alors, on regarde la photo. Oui, voilà, c'est ça. Oui, non, il est exactement là où je pense qu'il est. C'est-à-dire en face de ça... Sur un arbre, donc il est sur le petit arbre là-bas. En fait, ce que je vais faire... J'ai envie de tenter un truc. Voilà. C'est très bien. Et je crois qu'il est accroché à ça. Propre. Luigi ? L'arnaque moldave. Je suis l'arnaque moldave. Est-ce que je peux encore monter ? Oui, par là, notamment. Je pense que je vais monter par là, moi. Faire plaisir, là. Boum. La musique est énorme. Ah ! Mais fais gaffe! Non, c'est un peu haut là! Ok. Ça fait peur. Luigi! Luigi! Attendez, quoi? Mais il est pas là? Tac tac, mais il est beaucoup plus près. Et surtout qu'il est sur un truc tout fin. Attendez. Ah. Est-ce que vous pensez que je peux monter là-haut? De là, peut-être. Ou alors, si je me mets là et que je fais ça. Voilà. J'ai une meilleure vision. Mais il est là, frère. Mec, juste, c'est moi.
Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Bah alors? Mais yo, Mario! Le gros insecte est parti! Alors prenons vite la super étoile et rentrons! Ok, t'avais juste peur quoi. Mais. En fait, il avait juste peur! Yes, alors qu'il y a aucun problème. Il avait juste une petite étoile dans la poche. Oh, trop stylé par contre ça. Ça me régale. On est d'accord qu'il faisait exprès de faire genre il le voit pas. Ah non, non, vraiment, non. Pour le coup, je l'ai vu vraiment juste au moment où je vous ai dit que je l'avais vu, quoi. Non, j'avais pas capté qu'il était là. J'ai pas vu, peut-être qu'il est passé dans mon champ de vision, mais... Non, j'avais pas vu vraiment, je vous jure. Je vous jure. Enfin, je l'ai vu au moment où je vous ai dit que je l'avais vu, quoi. La 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 la, The French Aveugle. Il y en a d'autres qui l'ont pas vu, hein, vous savez. À un moment, il est passé au premier plan, c'était très rigolo. Putain, j'ai pas capté du tout. Après, il suffit que ce soit un moment où je détourne le regard pour regarder le chat et je reviens là. Des fois, ça se joue à ça, hein. Vraiment. Hein. Des fois, ça joue à pas grand-chose. Bon, encore ? Mais dis-moi, régale-moi. Moi, je suis le seul qui voit rien comme Ponce quand je joue. Non, mais c'est normal. Cher Mario, je me trouve en ce moment dans un endroit très, très lointain. Mais je vais bien, car je sais que tu viendras me sauver. J'espère que j'ai joué à cette lettre. Non, mais elle va encore me donner les 5 champis. Je connais. Oui, je prends. Merci. Je sais. C'est tout ? Ok. Ah, vous avez le clip ? Ah, je suis chaud si vous avez le clip. Ponce l'aveugle. Ok, j'ai le clip. Je vais vous montrer le clip. Apparemment, il y a le clip de moi, effectivement, qui suis complètement aveugle et qui ne capte pas. Je vais vous montrer ça. Donc là... Je suis curieux aussi de voir ça. Donc là, on est calé. Ah oui, et il passe là. Et je le capte pas, effectivement. Et c'est vrai, 100%. De là, peut-être. Ah ouais. Ah ouais. C'est vrai. De là, peut-être. C'est vrai. Ouais. Mais ça arrive, hein. Je suis désolé. Ça arrive. Clairement au premier plan, oui, de ouf. Mais en gros, ouais, en fait, vu ce que je fais, laisse ton frère va sauver ta meuf. Non, mais mon frère ne va pas sauver ma meuf, c'est sûr. Mais en gros, regardez, je pense que ce qui s'est passé, c'est juste que là, j'étais vraiment en mode, je regardais ici pour savoir, je regardais à gauche de l'écran pour savoir comment monter ici en haut. Regardez. Là, peut-être. Et du coup, je sais pas, je regardais pas ça du tout, j'avoue. De là, peut-être. Je regardais vraiment là. Ouais. Putain, le jeu est fluide, hein, par contre. Le jeu est fluide, ça fait plaisir.